Isabelle Falque-Pierrotin, qui est la présidente du CNIL, va être interviewée par 4 élèves du lycée Elifort de Lormont sur ce qu'elle a évoqué dans le débat, et notamment sur toutes ces problématiques d'identité numérique, de protection des données personnelles. Voilà, et donc les élèves ont préparé des questions. Ils ont aussi préparé des micro-trottoirs qu'ils ont fait à l'intérieur de leur lycée, qui seront diffusés pendant l'interview pour relancer la discussion. Et donc il va y avoir 2 élèves, elles, qui seront à la régie, dont le rôle sera d'ouvrir les micros quand ils doivent être ouverts, et parallèlement d'envoyer les sons quand ils doivent être envoyés. Radio Boussole, pour ne pas perdre de normes numériques. Bonjour Madame Falque-Pierrotin, merci de répondre à nos questions. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter la CNIL et dire à quoi elle sert ? Alors la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante, donc c'est un organisme public qui a été créé en 1978 et qui sert à protéger les données personnelles des individus, c'est-à-dire toutes les données. Le numérique, c'est, dans le fond, apprendre un nouvel univers. Vous êtes plongé, on est plongé dans ce nouvel univers. Et donc, l'école, bien sûr, doit passer à ce nouvel univers et vous donner les clés vous permettant de comprendre comment ça marche. En disant, si je publie une photo où il y a un autre, eh bien, il faut que je mesure les conséquences que ça va avoir pour cette personne. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter de publier des photos, bien sûr que non. Mais il faut que chacun se rende compte des responsabilités qui sont les siennes, même quand on est jeune.